Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue au ministère des serviteurs du Seigneur. Je m'appelle Dr. Keith Jenkins. Je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer avec le message ce matin, je voudrais vous rappeler l'appel du ministère que Dieu a donné. Et Dieu a dit, « J'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont les cœurs crient vers moi. Ils m'ont cherché pour les ministères, les bénédictions et les dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis. Mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été satisfaite, qui est réservée pour une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi. » Que pour moi. Ils sont ceux auxquels je t'envoie parce que je ne veux pas qu'ils prennent autant de temps que toi pour arriver à moi, car il n'y avait personne pour te le montrer à l'époque. C'était l'appel que Dieu a donné à Joseph Hitchcock tout au début. Je prie que ceci est votre désir aujourd'hui. Le message que vous allez entendre aujourd'hui et sur le sujet, la mesure de la foi, la mesure de la foi. Nous avons tous reçu cette mesure de la foi pour que nous puissions croire au Seigneur Jésus-Christ. Cela signifie de l'accepter littéralement comme le Seigneur fonctionnel de votre vie maintenant. Ceci peut vous sembler comme un combat ou une lutte, mais il est possible parce que nous avons cette mesure de la foi. Joseph Hitchcock dit dans son livre qui s'appelle Light, Lumière, sur les pages 70 et 71, dans la version anglaise, le livre n'existe pas encore en français. Voici, il dit, vous n'auriez pas pu être sauvé sans la foi et vous n'avez pas obtenu la foi après avoir été sauvé. Vous avez été sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, selon Éphésiens 2, verset 8. Par conséquent, vous aviez la foi avant d'être sauvé. La foi était la provision pour votre salut lorsque vous l'avez libéré en Dieu. Et vous ne l'avez pas épuisé au moment où vous avez été sauvé. Toutes les promesses de la parole de Dieu nécessitent la même foi que vous avez utilisée pour votre salut. Si vous êtes sauvé, vous avez prouvé que vous avez la mesure de la foi. Lorsque Jésus viendra et établira son royaume sur cette terre, ceux qui l'ont déjà accepté comme Seigneur seront prêts. Le monde le verra à ce moment-là et n'aura pas besoin de foi, mais Jésus a dit en Jean 20, 29, il parlait à Thomas et il a dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus a dit aussi en Apocalypse 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas pris sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les mille ans. La fausse humilité dit, « Oh, je veux juste avoir une cabane dans un coin de la terre glorieuse. » Cette option n'est pas disponible. Ceci est basé sur votre décision. C'est comme si on va au restaurant et on commande quelque chose qui ne se trouve pas sur la carte. C'est vraiment de la fierté, de l'orgueil. De l'orgueil parce que vous pensez que vous pouvez avoir ce que vous voulez selon vos propres conditions. Donc, même si vous avez fait de lui votre sauveur, cela ne suffit pas pour régner et gouverner avec Christ. Les hypocrites vont vous dire que vous pouvez juste dire une prière et vous obtenez tout. Ils disent, vous n'avez pas à vaincre le diable, vous n'avez pas à souffrir pour Christ, pour régner avec lui, vous n'avez pas à le faire Seigneur et à cesser de pécher. Appelez-le simplement Seigneur. Mais Paul a dit en 2 Timothée 2, verset 19,
Voici, c'est Paul qui enseignait en 2 Timothée 2, verset 19. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Webster a défini la foi de 4 façons et la première définition est croyance, le consentement de l'esprit à la vérité de ce qui est déclaré par un autre reposant sur son autorité et sa véracité sans autre preuve. Le jugement que ce qu'un autre déclare ou témoigne est la vérité. C'est une foi très profonde à un témoignage de quelqu'un ou de quelque chose qui est raconté par un historien. Bah, l'Église peut avoir des croyances qui sont opposées à la parole écrite de Dieu ou basées sur des faits sortis de leur contexte ou des faits mal interprétés ou basés sur des théories. Donc, nous devons faire très attention. Donc, la deuxième définition est le consentement de l'esprit à la vérité d'une proposition avancée par une autre personne, croyance ou preuve probable de quelque nature que ce soit. Donc, par conséquent, nous avons de nombreuses religions. En Inde, ils ont jusqu'à 150 000 dieux. Ils ont un dieu pour chaque situation. En Inde, il existe même un dieu qui est le moustique. Il faut avoir beaucoup de foi pour croire qu'un moustique est un dieu. Mais ces religions utilisent leur foi et ils l'utilisent mal et le mettent dans quelque chose qui n'est pas bon. Et après, ils en font un culte et ils sont piégés et ils servent un esprit de peur. La troisième définition de Webster de la foi est, en théologie, le consentement de l'esprit ou la compréhension de la vérité de ce que Dieu a révélé. La simple croyance aux Écritures, à l'être et aux perfections de Dieu, à l'existence, au caractère et aux doctrines du Christ, fondée sur le témoignage des écrivains sacrés, et ça s'est appelé la foi historique ou spéculative. Une foi peu distinguée de la croyance à l'existence et aux relations d'Alexandre le Grand ou de César. Donc voilà, ça explique que ce n'est pas une foi salvatrice. Et la quatrième définition de Webster de la foi est la foi évangélique. Elle est justificatrice ou salvatrice et elle est le consentement de l'esprit à la vérité de la révélation divine sous l'autorité du témoignage de Dieu accompagné d'un consentement cordial de la volonté ou l'approbation du cœur, une assurance entière ou une confiance dans le caractère et les déclarations de Dieu et dans le caractère et les doctrines du Christ avec un abandon sans réserve de la volonté à sa direction et une dépendance de ses accomplissements pour le salut. En d'autres termes, cette ferme croyance au témoignage de Dieu et à la vérité de l'Évangile qui influence la volonté et conduit à une entière dépendance en Christ pour le salut. Joseph Hedgecock a donné cette définition simple de la foi et je prie que vous allez l'entendre aujourd'hui. Il dit, la foi, c'est simplement faire confiance à Dieu qu'il est digne de confiance pour faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Et ça, c'est aussi noté dans le livre « Mes brebis entendent ma voix » sur la page 30 dans la version anglaise, mais le livre existe aussi en français. Donc, je le répète. La foi, c'est simplement faire confiance à Dieu qu'il est digne de confiance pour faire ce qu'il a dit qu'il ferait.
En Marc, chapitre 11, verset 22, Jésus a dit, en fait, c'est écrit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Donc, on peut avoir la foi dans plein de choses, mais avez-vous votre foi en Dieu? Voici certaines des promesses de l'Ancien Testament pour ceux qui ont confiance en le Seigneur. En psaume 5, verset 12, dans la version, dans la Bible française, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Alléluia. Je le répète, dans psaume 5, 11, dans la Bible anglaise, mais 5, 12, dans la Bible française, alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Alléluia. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Psaume 9, verset 10, dans la Bible anglaise, mais psaume 9, verset 11, dans la Bible française. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi, car toi, jamais tu ne délaisses au Éternel celui qui se tourne vers toi. Psaume 17, 7, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Psaume 34, 22, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs. Et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Alléluia. Psaume 37, verset 3. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays tu demeureras en sécurité. Psaume 37, 40, il, Dieu, leur vient en aide et il les délivre de tous les méchants. Il les sauvera car ils ont cherché leur refuge en lui. En anglais, c'est écrit parce qu'ils ont fait confiance en lui. Proverbe 28, verset 25, l'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Proverbe 29, 25, la crainte que vous avez des hommes tend un piège sous vos pas, mais l'Éternel protège celui qui se confie en lui. Proverbe 30, verset 5, chaque parole de Dieu est entièrement vraie. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui. Nahum, chapitre 1, verset 7. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Nous avons besoin de la foi pour tout faire. Vous utilisez votre foi même quand vous vous asseyez sur une chaise. Vous faites confiance que la chaise va vous supporter quand vous vous asseyez sur cette chaise. Donc ça, c'est présomptueux. Si vous aviez foi en Dieu, vous demanderiez à Dieu même les petites choses à l'avance. Donc regardez comment vous réagissez au stress et aux situations avec la peur, l'inquiétude, et vous finissez par vous mettre en colère. C'est aussi le fruit de votre foi, et tout est basé sur des mensonges que vous avez crus. Mais Jésus a dit en Jean, chapitre 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. » Les actions ont plus de poids que les mots. Donc, si vous voulez savoir ce que vous croyez vraiment dans votre cœur, regardez ce que vous faites. La foi a été donnée par Dieu pour que vous puissiez croire en Dieu, en lui. Vous décidez si la foi, vous décidez dans quelle chose vous mettez votre foi. Vous pouvez décider si vous mettez la foi en Dieu ou et ses promesses ou non.
Jérémie est venu sur cette planète en connaissant Dieu à l'avance. Jérémie, c'était un prophète dans l'Ancien Testament. Lisons en Jérémie 1, verset 5. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Donc ça c'est en Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. Le mot consacré ou sanctifié signifie mis à part, dédié, préparé. Et le mot ordonné signifie être envoyé, être donné, être prêté ou supporté pour quelque chose en particulier. Jérémie a reçu cet appel et dès le début. Et s'il avait fait autre chose dans sa vie, il aurait été misérable. Il a souffert s'il gardait la parole que Dieu lui avait donnée pour lui-même. Vous pouvez lire son histoire dans le livre de Jérémie, dans la Bible. Il a reçu la parole de Dieu pour une tâche particulière. Et nous avons également été envoyés sur cette planète par Dieu et nous sommes censés retourner au ciel. Vous serez également misérable si vous faites votre propre volonté et plus tard aussi lorsque vous réalisez combien de votre héritage a été perdu par incrédulité de votre part. Le ciel est un endroit merveilleux et c'est un endroit où la volonté parfaite de Dieu est accomplie maintenant. C'est ce qui rend le ciel si beau. Vous êtes venu ici pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre et pour la rendre belle. Le royaume de Dieu est ici maintenant depuis le jour de la Pentecôte pour vous y aider, pour vous aider à faire cette unique chose. Mais le péché est également entré dans le monde par l'orgueil du diable et la désobéissance de l'homme sera jugée au bon moment. En Romains chapitre 3, Paul parle de l'homme et de sa situation actuelle. Écoutez, peut-être vous ne le croyez pas, mais c'est ce que Paul a dit en Romains 3, versets 10 à 12. L'Écriture le dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils se sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas qui fasse le bien, non, pas même un seul. L'homme n'est pas juste. Croyez-vous que l'humanité ou l'homme est mauvaise et vraiment corrompue? Ou pensez-vous qu'il y a du bien en l'homme? L'homme croit maintenant qu'il peut tout faire. Et il a tellement de confiance en lui-même, mais ça, c'est un mensonge. Rappelez-vous ce que Jésus a dit en Marc 10, 27. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Le diable a contaminé l'homme avec tellement de fierté et orgueil qu'il n'a même pas besoin de croire en Dieu. Le diable a-t-il contaminé ou pollué votre foi dans l'évangile de Marc? Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 1, versets 14 et 15. Et voici, c'est écrit, lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée. Il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli. Le règne de Dieu est proche. Changez et croyez à la bonne nouvelle. Pour entrer dans le royaume, vous devez d'abord vous repentir et vous retourner et croire. Se repentir
signifie de penser différemment ou ultérieurement, c'est-à-dire de réconsidérer et moralement ressentir des remords dans votre situation. Vous ne pouvez pas vous repentir de l'orgueil, mais vous pouvez vous humilier. Cela signifie ce retour dans les yeux de Dieu. Et ça, c'est la seule chose que vous pouvez faire parce que vous ne pouvez pas vous repentir de l'orgueil, mais vous pouvez vous humilier. La foi ne fonctionne pas lorsque vous êtes seigneur de votre vie. Vous avez été envoyé pour changer ce monde afin de faire la volonté de Dieu, mais ceci demande de l'humilité et que Jésus soit le Seigneur aussi. Il ne suffit pas d'avoir juste la foi, mais il faut aussi rester humble. Dieu offre le pardon des péchés pour une période de temps et pour donner à chacun le temps d'arriver vraiment à la racine du péché, mais le temps touche à sa fin. En Ésaïe 1, verset 18, c'est écrit « Venez et discutons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. Oui, ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront aussi blancs que la laine. Vous pouvez arrêter de pécher avec son aide si vous croyez et vous accrochez au Christ. C'est pour ceci que vous avez reçu la foi pour que vous puissiez avoir la victoire sur le péché. Paul a dit ainsi à l'Église en Éphésiens 5, verset 27. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, alléluia, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Malgré le fait que jusqu'à maintenant vous ayez mis votre foi en vous-même et vous avez écouté les mensonges du diable, Dieu est prêt à prendre les commandes et à gérer votre vie complètement. Mais donc il est préparé. Il est prêt à être le Seigneur de votre vie. Il faut juste que vous fassiez une chose, et c'est ne l'aidez pas. Il faut que vous soyez humble et que vous vous humiliez devant lui. Arthur Burt écrit dans son livre « Des cailloux pour tuer Goliath »,« Pebbles to slay Goliath » en anglais. Voici, il dit, si vous aidez beaucoup Dieu, il peut accomplir un peu. Si vous l'aidez seulement un peu, il peut accomplir beaucoup. Mais si vous ne l'aidez pas du tout, il peut tout faire, lâcher prise et laisser faire Dieu. Dans ma vie, il y avait aussi un prédicateur méthodiste qui est venu, qui m'a dit la même chose. Et je n'avais pas les oreilles pour l'entendre, mais je prie que vous avez les oreilles et que pour l'entendre aujourd'hui. Joseph Hitchcock l'a dit ainsi, « Dieu peut faire peu de choses avec beaucoup, beaucoup de choses avec peu et toutes choses avec rien. Si vous aidez beaucoup Dieu, il ne peut pas faire grand chose. Si vous aidez Dieu un peu, il peut accomplir beaucoup. Mais si vous arrivez au point de ne pas l'aider du tout, alors il peut tout faire, lâcher prise et laisser faire Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lui faire confiance. » Et il vous honorera et vous exaltera dans son royaume quand il viendra. La terre et sa plénitude appartiennent à Dieu et il est prêt à la partager avec ceux qui sont doux. Jésus a dit en Matthieu 5, verset 5, « Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Alléluia. Le diable est aussi appelé le Dieu de ce monde, mais il ne peut rien vous donner. Ce monde ne l'appartient pas. Cependant, Paul a expliqué que ce monde a été aveuglé par le diable en utilisant l'orgueil. En 2 Corinthiens 4, verset 4, c'est écrit, « Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Christ. » Again in Ephesians, Paul speaks about this.
Oui, désolé, je ne sais pas si j'ai lu le bon verset. Et aussi en Éphésiens 2, 1 et 2, Paul a écrit, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. En fait, c'est aussi écrit, nous étions tous des marionnettes du diable à un moment donné, mais par la grâce de Dieu, nous avons pu voir avant qu'il ne soit trop tard que nous allions tous vers la destruction. Et Paul a écrit aussi en Éphésiens 2, 1 et 2, autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. C'est cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Vous êtes-vous déjà senti contrôlé par le diable lorsque vous viviez dans le monde? En fait, vous aviez lentement été cuit lorsque vous n'avez pas pu voir la vérité. Vous étiez cuit dans une fausse idée. Peut-être vous êtes toujours aveuglé. Est-ce que vous vous souvenez de ce temps? Vous souvenez-vous avoir ressenti de la honte ou de la gêne à propos de la façon dont vous pratiquiez la volonté du diable? Vous avez travaillé pour le diable ou pensez-vous que vous n'étiez pas si mal à cette époque? Paul dit que vous étiez des enfants de désobéissance. En Éphésiens 5, verset 6, il continue, et Paul dit, en Éphésiens 5, verset 6, que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Le diable veut vous contrôler de la même manière maintenant sans même que vous vous en rendiez compte. Voici, c'est la façon de travailler du diable. Il vous met à l'aise ou il rend votre vie confortable et vous permet d'avoir tout ce que vous voulez avoir tant que vous le servez et que vous êtes soumis et à lui et tant que vous êtes sous lui. Et cela va vous détruire à la fin et vous allez perdre tout bonheur que Dieu a prévu pour votre vie. Est-ce que vous allez permettre ceci? En Jean 10 et 10, c'est écrit, voici le diable est écrit, et c'est écrit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer, pour détruire. Mais Jésus a dit, « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Le diable est venu pour voler et il peut accomplir ceci par le moyen des mensonges. Cela empêche votre foi de fonctionner afin que vous ne soyez jamais vivant. C'est pas un mensonge duquel vous savez que c'est un mensonge, mais c'est toujours quelque chose, un mensonge que vous croyez, mais vous savez pas que c'est un mensonge. Et vous devenez un prisonnier, mais si vous essayez jamais à vous soumettre à Dieu et utiliser votre foi, le diable va essayer de vous arrêter. Cela n'a pas l'air d'être de la liberté si vous vous soumettez à Dieu, mais si vous vous soumettez à Dieu et si vous résistez au diable, vous pouvez utiliser votre foi maintenant et tout ce qu'il faut faire, c'est de tout abandonner à Dieu et tout donner à Dieu. Et si vous faites ça, vous n'allez pas perdre votre héritage. Dieu veut que vous deveniez ce qui vous êtes censé être depuis qu'il vous a créé et il partagera son héritage avec vous si vous restez humble. Ceci se passe quand Jésus est Seigneur. Lorsque vous êtes Seigneur, la racine de tout cela est l'orgueil et vous avez déjà été contaminé par le diable. Même maintenant, le diable cherche à vous utiliser, à vous contrôler et à vous manipuler, même si vous êtes déjà né de nouveau. Joseph Hedgecock dit le suivant.
Échapper au piège de Satan doit avoir une haute priorité dans votre vie spirituelle. Si vous voulez profiter de votre héritage spirituel, vous devez lui fermer les portes. Vous ne pouvez pas croire la vérité de Dieu si vous croyez déjà un mensonge. Si vous croyez des mensonges dans un domaine, vous êtes déjà pris au piège. Croire à un mensonge vous empêche de relâcher votre foi dans la vérité. Vous pouvez avoir des connaissances bibliques dans votre esprit, dans votre cerveau, mais si vous n'y obéissez pas, vous ne les croyez pas dans votre cœur. Si vous ne croyez pas la vérité dans votre cœur, c'est parce que vous croyez déjà un mensonge. Vous devez identifier et découper la racine de chaque mensonge que vous croyez afin de pouvoir relâcher complètement votre foi dans la vérité. En marchant dans la vérité et en y obéissant, vous pourrez éviter la tromperie. Voici, c'est ce que Joseph Hitchcock a dit dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » ou « Le temps s'écoule », volume 2, sur la page 195 dans la version anglaise. Le livre n'existe pas encore en français. Le titre anglais est « Wake up, time is running out », volume 2. Dieu fait tout par amour pour l'humanité et veut que vous soyez libérés du diable, du péché et des conséquences du péché. Il a payé le prix pour que vous puissiez vous délivrer vous-même. Mais il faut que vous croyiez. Paul le dit ainsi en Romains 8, verset 32. « Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui ?» Il a prouvé son amour pour nous, et maintenant vous devez répondre en lui faisant confiance dans votre vie et en le faisant Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir une foi en Dieu qui fonctionne correctement lorsque vous comptez toujours sur ce que vous pensez savoir. Votre foi doit être mise à 100% en Dieu. Regardez ce qui est écrit en Proverbe, chapitre 3, verset 5. Voici, c'est écrit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, sur ta propre compréhension. Il n'est pas faux d'apprendre, d'étudier, connaître et d'obtenir la sagesse naturelle, mais Jésus doit être le Seigneur de tout. Il y a un temps et un lieu pour tout. En Proverbe 3, verset 6, c'est écrit, « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Lorsque vous vous penchez sur votre propre compréhension, vous ne faites pas confiance au Seigneur de tout votre cœur. Lorsque vous vous accrochez à lui, alors il dirige votre chemin. Utiliser votre propre raisonnement produit encore une racine pivotante de fierté. Et vous allez le trouver très difficile de marcher avec Dieu, et cela va être très difficile pour vous d'entendre sa voix après. Vous avez reçu la foi pour croire en lui qu'il peut être votre Seigneur sur cette terre. Mais le diable a incité l'homme à croire en lui-même et contrôle désormais ainsi le monde à travers de ceci. Votre propre compréhension est un produit de la connaissance et de l'expérience charnelle et de la sagesse naturelle. Mais Dieu sait si vous en avez vraiment besoin. Il vous permettra d'avoir des connaissances au bon moment et pas avant. Dieu sait quelle connaissance a été contaminée par les mensonges du diable. Il vous aime. Je prie que vous ouvrez votre cœur à lui et que vous reconnaissez que vous avez suivi des choses qui peuvent vous contaminer. Dans les Proverbes, chapitre 14, dans les versets 12 à 18, écoutez bien. En Proverbes 14, versets 12 à 18.
Verset 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Verset 15, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Verset 16, le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Verset 17, celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice attire la haine. Verset 18, les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Jésus a dit les paroles suivantes dans les évangiles, en Matthieu 7, versets 13 à 15, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont les loups ravisseurs. » Paul parle de ces faux prophètes qui ne recherchent qu'un gain matériel. Ils ne recherchent pas les choses éternelles, mais les choses temporaires. En 1 Timothée, chapitre 6, versets 5 à 10, Paul a écrit, « Et les discussions interminables entre gens à l'esprit faussé, ils ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. J'espère que vous entendez ce qui est écrit ici. » Le verset 8, en 1 Timothée 6, dit « Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. » Verset 9, « Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. » Verset 10, « Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. » Faites tout avec modération, c'est ce que Paul dit. Si vous ne pouvez pas lui faire confiance avec votre vie maintenant, dans les moindres détails, comment pouvez-vous lui faire confiance avec des choses éternelles? C'est très important. Vous devez croire qu'il va vous sauver. Vous devez aussi croire qu'il va sauver votre âme. En psaume 55, verset 23 dans la Bible anglaise, mais verset 24 dans la Bible française. Donc psaume 55, verset 24, c'est écrit « Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans le puits de la destruction. Ces hommes fourbes et sanguinaires n'atteindront pas la moitié de leur jour, mais moi, je me confie en toi. » La seule raison pour laquelle la méchanceté prospère est que Dieu donne à l'homme et à nous tous le temps de se et de nous repentir. En 2 Pierre 3, verset 9, c'est écrit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Pierre a également déclaré, en 2 Pierre 3, 13 et 14, « Mais nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. »
Alléluia, verset 14. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Alléluia. Chaque fois que vous êtes le Seigneur de votre vie, vous êtes malfaisant. Je dis que ça, c'est le pire des péchés, le même péché que Satan a commis. C'est ce qu'il a fait tout au début. Il a pris une position au-delà de la sienne. En 2 Chroniques 7, verset 14, c'est un appel pour nous tous. Le peuple de Dieu, c'est un appel à nous repentir. Et voici, ça dit, « Si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Ne comptez pas sur les richesses et le succès dans ce monde, mais cherchez d'abord sa volonté. C'est pour ceci que vous avez reçu la foi. En Job, chapitre 20, verset 15, c'est écrit, il a englouti des richesses, il les vomira, Dieu les chassera dans son ventre. En psaume 37, 16, c'est écrit, le peu que possède celui qui est juste vaut mieux qu'un trésor aux mains du méchant. Psaume 52, 9, en anglais c'est 52, 7, mais en français, dans la Bible française c'est psaume 52, 9. Le voici l'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, celui qui se fiait en ses grandes richesses et qui se croyait fort par sa méchanceté. Proverbe 11, 28, celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Proverbe 11, 4, la richesse ne sera d'aucun secours au jour de la colère divine, mais une vie juste sauve de la mort. Jésus a dit en Matthieu 6, verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En Matthieu, chapitre 6, verset 33, j'espère que vous connaissez ce verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, toutes les choses dont vous avez besoin. En Luc 16, 13, aucun serviteur ne peut être en même temps au service de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Vous devez être vulnérable devant lui pour que votre foi puisse fonctionner correctement. Dieu trace un chemin là où il n'y a aucun moyen. Voici encore des promesses en psaume 25, verset 2. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. En psaume 25, verset 20, c'est écrit, protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. En anglais, c'est écrit, protège mon âme. Et garde-moi de la honte, je cherche en toi un sûr refuge. En anglais, c'est écrit, parce que je mets ma confiance en toi. En psaume 31, 19, dans la Bible anglaise, mais c'est le verset 20, donc psaume 31, 20, dans la Bible française. Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes.
Psaume 56, 3 dit, « Le jour où j'ai peur, je mets ma confiance en toi. » Si vous vous sentez impuissant sans lui aujourd'hui, c'est bien, c'est un bon signe. Cela est nécessaire pour que votre foi fonctionne proprement. Il faut être brisé, il faut faire confiance en lui et non en autre chose. Votre foi doit être 100% en lui. Regardez ce que Paul a enseigné et ça a été écrit pour l'Église, pour toi et moi. Et Paul a dit en Romains 12, versets 1 à 3, « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez, au contraire, à une sage appréciation de vous-même, chacun selon sa part, selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Dieu a donné la foi à tous. Il ne fait pas de différence entre les hommes. Il ne donne pas une grande quantité à une personne et une petite quantité à une autre personne. Le problème est que vous devez cesser de vous conformer à ce monde et à la façon dont les gens du monde font les choses et aux choses qu'ils disent, et ne pas être conformé au monde, ou, voilà, ça c'est ou modeler selon le monde, ça c'est un commandement et pas une suggestion. Si Dieu dit de le faire, vous pouvez le faire, ne vous excusez pas. Votre part consiste en ne pas vous conformer et, ou vous modeler selon le monde. Dieu fera sa part et renouvellera vos pensées par l'esprit. Vous ne pouvez pas être transformé tant que vous n'arrêtez pas de copier le monde. La définition de conformer selon Strong est façonner de la même façon, c'est-à-dire conforme au même modèle, au sens figuré, conformer à se façonner. Donc, être façonné comme le monde. Vous devriez suivre Jésus directement et le modèle de vie de quelqu'un qui s'est renié complètement et qui a accepté sa croix. C'est le moyen facile, le moyen le plus facile d'arrêter de copier le monde. Faites votre choix judicieusement. Paul a dit ainsi en Philippiens 3, verset 17, à 20, frères, suivez tous mon exemple et observez comment se conduisent ceux qui vivent selon le modèle que vous trouvez en nous. Verset 18, car il en est beaucoup qui vivent en ennemi de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, je vous le dis une fois de plus en pleurant. Ils finiront par se perdre. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur fierté dans ce qui fait leur honte. Leurs pensées sont toutes dirigées vers les choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. Entendez-vous des mentions de la croix dans l'Église aujourd'hui? C'était pourtant la plus grande victoire qui soit arrivée par l'acte de soumission et de confiance en Dieu. C'est Jésus qui l'a accompli. Il a complètement fait confiance en Dieu, que Dieu va le libérer dans des circonstances terribles. Que Dieu va le délivrer des circonstances terribles. Suivez-vous l'exemple, le modèle de Christ? Si vous voulez vraiment suivre Christ, suivez aussi quelqu'un qui suit également Christ. C'est une instruction très simple dans la parole de Dieu et les gens n'aiment pas ceci. Mais Paul a dit en 1 Corinthiens 4, verset 16, « Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. »
Ce mot, supplier, nous l'avons déjà lu tout à l'heure en Romains 12. Bah, en fait, en Romains 12, voilà, selon la traduction de la Bible, ça dit « Je vous invite donc » ou « Je vous supplie donc ». Et la définition de ce mot est, ça signifie de s'approcher, d'appeler à s'approcher, c'est-à-dire d'inviter, d'invoquer par imploration, rappel ou réconfort, supplier, appeler, être de bon confort, désirer, exhorter, prononcer une exhortation, invoquer, prier. Paul dit en 1 Corinthiens 11, verset 1, « Suivez donc mon exemple, comme moi, de mon côté, je suis celui du Christ. » Si vous ne suivez pas Christ ou quelqu'un qui suit Christ comme un petit enfant, je vous suggère de suivre une voie. Bah, je suggère en fait que vous suivez une voie qui paraît droite au lieu de la vérité. Éphésiens 5:1 dit « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Est-ce que vous avez vraiment vous renié vous-même? Est-ce que vous vous avez humilié comme un petit enfant? Est-ce que vous avez vraiment une vie dans laquelle vous suivez le Christ? Assurez-vous que vous suivez vraiment le Christ. La vie dans laquelle on suit Christ n'est pas sans tribulation. Et Paul a dit en 1 Thessaloniciens 1, verset 6, and of the Lord, having received the word in much affliction with the joy of the Holy Ghost. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Je pense qu'il y aura des tribulations sur votre chemin. La tribulation fait partie de la préparation pour son retour, pour son apparition. Si vous n'avez pas fait de Jésus le Seigneur de votre vie, votre foi ne fonctionnera pas. Parce que vous dirigez toujours votre vie et vous ne suivez pas. Mais quand il est Seigneur, vous auriez la joie même dans les situations difficiles. La transformation ou la conversion signifie que vous connaissez Dieu déjà et que vous avez déjà de la joie malgré les difficultés. Et cela prouve que Dieu va apporter la paix et l'onction et d'autres personnes vont le voir. En Romains 14, 17, c'est écrit, bah, j'espère que vous reconnaissez ce verset, c'est Paul qui l'a écrit et il dit, le royaume de Dieu n'est pas la nourriture et au manger et boire, mais c'est la justice et la paix et la joie dans l'esprit. La joie, la paix et une vie contrôlée par l'esprit prouvent que vous êtes dans le royaume déjà maintenant. D'autres peuvent le reconnaître en vous. Vous devez devenir une preuve vivante que vous entendez Dieu et que vous faites sa volonté. Et vous montrez à tout le monde que vous ne copiez pas ce monde et que vous ne faites pas tout ce que les autres disent, mais vous écoutez l'Esprit. Et vous avez cette paix et cette joie tout le temps. Pour obéir à Dieu, vous n'avez même pas besoin de tout comprendre pleinement. Tout ce dont vous avez besoin est d'utiliser la foi donnée par Dieu et de le faire confiance. Il y a une façon de connaître la volonté parfaite de Dieu parce que il s'agit de la mission de Dieu. Vous faites cette mission de Dieu et vous obtenez l'accomplissement de la volonté de Dieu avec douceur si vous arrivez à faire confiance et à obéir. Il fait le travail et la foi est conçue pour surmonter uniquement lorsqu'elle est mise dans le plan de Dieu. Et Jean l'a dit dans le premier épître de Jean 5, verset 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La définition de mesure means la définition de mesure signifie partie ou quantité. Strong définit ce mot mesure comme, bah, il dit que c'est un mot apparemment élémentaire, une mesure
un maître au sens propre ou figuré, implicitement une portion limitée ou un degré ou une mesure. Cela signifie une mesure ou une portion de quelque chose de plus grand. 10% de 1000, ce n'est pas beaucoup, mais 10% d'un million, c'est plus. Cette mesure était suffisante pour que vous croyiez pleinement au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas une petite somme. Ne faites aucune excuse parce que ce n'était pas une petite somme de foi que vous avez été donnée. Le plus grand miracle arrive lorsque quelqu'un croit réellement au Seigneur Jésus-Christ et s'accroche à lui. Je vais juste lire un verset maintenant de la Bible amplifiée parce qu'elle donne un peu plus de compréhension et c'est le verset de Jean 3, verset 16. Parce que voici, cette version biblique donne un peu plus d'explications du mot foi ou croire. Et voici, ça dit, car Dieu a tant aimé et chéri le monde qu'il a même donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, fait confiance en lui, s'accroche à lui et se confie et se fie à lui, ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle, la vie sans fin. Avez-vous une foi qui s'accroche vraiment au Christ, même lorsque les problèmes surviennent? Faites-vous toujours confiance? Fiez-vous-vous toujours à lui et obéissez-vous à sa voix et le suivez-vous malgré tout et tout ce que les autres disent et tout ce qui arrive autour de vous? Il faut que vous vous assurez que vous avez cette ou ce type de foi. En Actes 16, verset 31, c'est écrit, en fait c'est aussi Paul qui parle ici, en Actes 16, verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Toutes les portes de la prison où Paul était gardé se sont ouvertes lors d'un tremblement de terre. Le gardien de prison allait se suicider par peur, mais Paul a en fait prononcé ces mots qu'on vient de lire. Et aussi dans la Bible amplifiée, ce verset Actes 16, 31 est écrit comme ceci. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, abandonnez-vous à lui, sortez de votre propre garde et confiez-vous à sa propre garde et vous serez sauvés. Notre foi doit être libérée dans le fait que Jésus est Seigneur maintenant et il règne maintenant. Il a maintenant les commandes. Il est celui qui a envoyer ce tremblement de terre, rejeter tous ceux qui disent le contraire. Il est celui qui ouvre les portes de la prison. Même le diable ne pouvait pas tuer Jésus. La mort ne pouvait pas retenir Jésus. Même le diable ne pouvait empêcher l'arrivée du royaume en puissance le jour de la Pentecôte. Ce gardien de la prison a entendu ce qu'il devait faire pour être sauvé. Trois choses, écoutez bien. Premièrement, rejetez votre propre seigneurie. Deuxièmement, arrêtez de vous écouter vous-même. Arrêtez de prendre soin de vous-même, en fait. Et troisièmement, confiez-vous à sa garde. Vous avez été donné la mesure de la foi pour accomplir tout cela. Et votre foi fonctionne. Vous n'avez pas besoin de plus de foi. Le premier pas est, ou la première chose que vous devez faire, c'est, la première étape consiste à devenir un sacrifice vivant comme il est décrit dans Romains 12, verset 1. Vous avez été donné la mesure de la foi pour tout remettre entre ses mains dès le départ. Demandez à Dieu pourquoi vous n'avez jamais fait cela ou pourquoi vous avez cessé de faire cela. Voici un témoignage de Charles Finney, un grand évangéliste américain. Et beaucoup de personnes ont crié
à lui et ils ont dit, Finney, que devons-nous faire pour être sauvés? Et Charles Finney n'avait pas laissé le peuple s'engager simplement en levant la main. Il devait assister à une réunion de suivi et après avoir entendu les prédications. Dans ces réunions, après, il y avait un point qui était fréquemment exhorté, que chacun doit donner son accord total à Jésus. On leur a dit que la seule difficulté était d'obtenir leur propre accord honnête et sérieux aux conditions selon lesquelles Christ les sauverait. Et la même chose est toujours vraie aujourd'hui. On leur a également dit de rechercher les conditions les plus minimales sur lesquelles ils pourraient éventuellement être sauvés. Et Finney a dit que des efforts ont été faits pour se débarrasser du pécheur et pour accepter le Christ. Toute sa volonté, son expiation, son œuvre officielle et ses relations officielles. Tout le monde devait renoncer à tout péché, à toute excuse, à toute incrédulité, à toute dureté de cœur et à toute chose méchante dans le cœur et dans la vie ici, maintenant et pour toujours. Charles Finney s'est rendu compte que la chair cherchera l'option la plus simple. Les gens voulaient simplement répéter une prière ou lever la main. Mais il voyait cela comme un mauvais usage de la foi que Dieu leur avait donnée. Peut-être que vous ne réalisez pas quel type de foi que vous avez été donné. Le christianisme n'est pas simplement une religion de plus, c'est une relation avec Dieu. Nous devons nous préparer à être mariés au Christ et nous avons cette possibilité de non seulement avoir une relation maintenant, mais pour toute l'éternité. Nous allons vivre avec lui pour toujours. Nous allons le connaître comme nous allons être connus. Maintenant, c'est un bon moment, un bon temps pour accomplir à nouveau vos premières œuvres. La grâce est disponible maintenant pour que vous puissiez terminer votre course et être la personne que vous êtes censé être en Christ. Il reste encore du temps. J'espère que vous êtes encouragé par l'histoire suivante. Paul nous a souvent parlé, nous avons déjà entendu beaucoup d'écritures qu'il a écrites, mais Paul, il a eu assez de grâce pour se changer, même s'il a persécuter l'Église. En Galates chapitre 1, versets 10 à 12, Paul parle de ce changement dans sa vie. Qu'en pensez-vous maintenant? Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Mon désir est-il de plaire aux hommes? Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Je veux que vous le sachiez, frère, le message que je vous ai annoncé n'est plus le fruit d'une pensée humaine, car je ne l'ai reçu d'aucun homme, personne ne me l'a enseigné, c'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. Et verset 13, vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le judaïsme. Vous savez avec quel fanatisme je persécutais l'Église de Dieu dans le but de la détruire. Nous avons tous commencé avec la même foi au début. Vous pouvez lire ce que Paul a fait avec sa mesure de foi. Si vous connaissez quelqu'un qui se porte bien en Christ, c'est uniquement parce qu'il utilise sa foi avec humilité. En 1 Corinthiens 9, verset 24, c'est écrit, « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à gagner. » Joseph disait dans son témoignage, « Si votre foi ne fonctionne pas, utilisez la mienne, elle fonctionne. »
Il dirait qu'il pourrait utiliser la même foi que quelqu'un qui vient de se convertir dans une réunion et il n'aurait pas besoin de changer ou de réduire quoi que ce soit que Dieu lui ait donné à faire par la grâce, par le moyen de la foi. Rien, il ne devrait rien réduire dans son ministère. Il pourrait tout faire avec cette mesure de foi. Qu'est-ce que vous croyez dans votre cœur? Ce que vous croyez dans votre cœur, c'est ce que vous faites réellement tous les jours. Examinez-vous. C'est aussi simple que cela. Jacques a dit en Jacques 2, 18, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » En Jacques 2, 18, je le répète, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi dans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Nous devons accepter ce qu'il nous a appelé à être. Tu es spécial. Vous êtes spécial. Ne vous comparez à personne d'autre que Jésus. Mais n'ignorez pas la raison pour laquelle Dieu a utilisé certaines personnes et pourquoi il n'a pas utilisé d'autres personnes. Lorsque votre foi commencera à fonctionner, vous vous retrouverez sur le chemin étroit. Regardons Jésus, car il est notre exemple. En Hébreux 12, verset 1, et verset 2, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Jésus s'est soumis au plan que Dieu lui avait fixé. Il est venu pour mourir, mais Dieu l'a ressuscité des morts. Ce même pouvoir peut être en vous si vous êtes prête à mourir pour Christ. C'est à ce moment-là que votre foi va être activée et non avant. Il faut abandonner à Dieu. Avez-vous accepté le plan de Dieu ou essayez-vous d'intégrer Dieu dans votre plan? Est-ce que le fardeau est lourd? Est-ce que c'est vous qui portez la charge? Jésus a dit en Matthieu 6, verset 30, si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Matthieu 8, 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Vous pouvez avoir une petite foi en Dieu parce qu'elle est surtout en d'autres choses. Vous pouvez trouver une liste plus longue des obstacles à la foi dans le chapitre 9 du livre Light, Lumière, de Joseph Hedgecock, sur les pages 70 à 77. Le livre n'existe pas encore en français, mais il est en train d'être traduit. Donc, peut-être vous ne croyez pas qu'il y a des choses qui peuvent être un obstacle à la foi, mais voici la liste. Vous pouvez prier à travers avec un mauvais motif. Vous pouvez avoir une foi détournée, par exemple une foi qui est plutôt en vous-même. Vous pouvez avoir l'incrédulité et la racine de ceci est que vous croyez à un mensonge
Donc vous ne voyez pas que c'est un mensonge et vous le croyez doubt alors et vous ne that comes from being calm, l'examinez pas. analyzing the Vous pouvez avoir situation in des your mind. doutes et ça vient du You fait can have d'être charnel et vous sins. analysez les choses Perhaps as avec individuals, votre it's not a raisonnement, faith, it's avec votre sin. cerveau. Vous pouvez So avoir des those péchés weights can just hold you et back. ces péchés Fear. sont des fardeaux et ces fardeaux peuvent vous Fear is empêcher de faith in and relâcher checking it votre back. foi et d'avancer. Vous pouvez Controlled aussi avoir by la peur, et demonic la peur, forces. c'est de la foi qui a Ignorance. un résultat You must négatif qui est make sure contrôlé your par faith des is forces in démoniaques. Et what puis God has aussi clearly l'ignorance, il faut revealed in His s'assurer Word. que votre foi est vraiment You, mise dans ce as que Dieu God a is never going to révélé tell you to do something dans that sa is parole contrary pour to His vous written Word. personnellement. Dieu ne vous donnera If jamais Jesus is quelque your chose à pastor faire qui est and He is contraire your à teacher, sa parole écrite. telling you Si to do Jésus est votre something, maître et letting or votre work, enseignant, He et is si the vous, King il of vous Kings, dit de the faire Lord quelque of chose, Lords. alors cela fonctionnera. Even the Il est le roi devils des rois, il est tremble le Seigneur at des the seigneurs. name of our Même Lord. les démons The measure of tremblent faith au can nom du also Seigneur. grow when La Jesus mesure de is la Lord foi peut and également are augmenter humble. lorsque Jésus est Seigneur Paul et que vous said, êtes humble. Paul a in 2 dit en 2 Corinthians 10 and Corinthiens 10, 15, verset not boasting of 15, things nous n'avons donc pas une without fierté measure. That is démesurée, other comme si men's nous labors, nous but vantions having d'un hope travail accompli when par your faith d'autres. is Au increased, contraire, nous that gardons it shall be l'espoir qu'avec les enlarged progrès de votre foi, notre by you œuvre grandira according de plus en to plus our parmi hope vous dans les abundantly. limites de notre champ d'action. The Corinthians have become Les Corinthiens comfortable. étaient devenus If confortables. you want your Si faith vous to grow, souhaitez que votre foi you have to grandisse, be ready to vous be devez devenir uncomfortable. inconfortable. You have to Vous devez experience faire faith in l'expérience de action. la foi en And action. Paul was Et comparing Paul a himself comparé with those Corinthians. lui-même ou soi-même And he avec was ses trying Corinthiens to share et with il them, a you have to get essayé de to where leur he was. faire comprendre qu'il devait aussi Faith arriver à ce point must ou be à ce based stade dans on lequel faith. il était. La Because when foi we are weak, doit he plutôt is être strong. basée He is sur glorified. les faiblesses, car lorsque nous sommes Are you faibles, il est living fort. Il est by notre force. truth Vivez-vous selon or la just vérité ou doctrines, simplement methods? selon les doctrines et les méthodes? In the Psalms, En Psaume 119, 119, verse verset 9, 9, c'est écrit: says, Wherewith Comment, shall a quand on young est man jeune, cleanse his avoir way? une vie By pure? taking heed thereunto, C'est en according se to conformant thy à word. ta parole. Jesus said, Jésus a dit en Sanctify them Jean 17, through thy 17, truth. Thy Sanctifie-les word is par ta truth. vérité, ta parole est la We vérité. need a word from him. Nous avons besoin d'une parole We need de a lui. divine Nous avons revelation. besoin Our d'une faith has to révélation be in divine. his Notre solutions. foi doit être mise dans ses Both these solutions. passages, Ces deux versets Psalm bibliques, 119, verse en 9, Psaume and here again in 119, John 9 et 17, aussi en 17. Jean 17, 17, Let me read that again. It says, Sanctify them through thy truth, that thy parle de word is cette truth. parole de Dieu et je veux répéter Jean Both these 17, verses 17. are talking about the Sanctifie-les word from par God ta departing. vérité, ta parole et la Is your vérité. faith Donc, tous ces deux versets in the parlent de cette scriptures parole de Dieu le that Père. you have Votre foi est-elle dans memorized, les or are Écritures you que vous avez trusting mémorisées, him, waiting on him for the solution that he ou has est-ce que vous provided? faites confiance? Est-ce que vous attendez la solution que This Dieu includes truth vous donne? and Et even cette personal solution conviction. inclut la vérité et la conviction Maybe the devil has personnelle. blinded Peut-être you que le by diable clouding your vous heart, a aveuglé and all en you can utilisant see is that l'orgueil somebody dans else votre is the cœur et problem. tout ce que vous pouvez voir, c'est que quelqu'un But d'autre actually, pose le you're the problème. problem. Mais en fait, c'est vous qui posez And le if you can problème. humble yourself Et si vous pouvez vous and humilier hear from God, et you can be entendre set ce que free Dieu from dit, where you vous are right now. pouvez être libéré de You votre need that situation revelation from actuelle. God. Vous avez besoin Paul de was cette a révélation Pharisee. de Dieu. Paul He had était un memorized scripture pharisien so much, et il avait mémorisé but beaucoup when he met d'écritures. Christ, that all Mais changed. quand il a And he rencontré Christ, compared tout these cela a two changé. Il systems a comparé to ces deux Corinthians 3, verse systèmes en 6. 2 He said, Corinthiens 3, You verset also 6. have made C'est us lui qui nous a able rendus ministers capables d'être of the les New Testament. serviteurs d'une nouvelle He was alliance. talking about God dealing Donc, his il life. He parlait said, du fait ou de ce que Dieu a Who accompli dans also sa has vie. made
Donc, voici, je répète, il a dit, c'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort, l'esprit, lui, communique la vie. Avec la mesure de la foi, vous êtes censé vous accrocher à la réponse de Dieu. Le psalmiste, dans le psaume 119, demande à Dieu non seulement des bénédictions, mais des bénédictions selon sa parole. Ceci peut faire la différence et déterminer si votre foi fonctionne ou si elle ne fonctionne pas. Psaume 119, verset 25 dit, « Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. » Êtes-vous attaché ou accroché à autre chose que la poussière, comme le psalmiste le décrit? Est-ce que vous cherchez de l'espoir ailleurs? En psaume 119, verset 28, c'est écrit, « Mon âme est accablée de tristesse. Relève-moi conformément à ta parole. » Votre âme est-elle accablée de tristesse maintenant? Ou votre âme réclame-t-elle ce que vous faites et ce que vous croyez? En psaume 119, 41, c'est écrit, « L'Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. » Mettez-vous en œuvre votre salut avec la miséricorde de Dieu et est-ce que vous le faites avec cette crainte de Dieu et avec le tremblement? Est-ce que vous savez que la miséricorde, est-ce que vous êtes familier avec la miséricorde de Dieu pour tous vos péchés? En psaume 119, 58, c'est écrit, « Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. » Avez-vous échoué à montrer la miséricorde de votre cœur et en avez-vous besoin maintenant? Soyons prudents. Comment nous traitons les autres, Dieu va nous traiter de la même façon selon sa parole. En psaume 119, verset 65, c'est écrit, « Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. » La foi ne fonctionne que lorsque nous sommes un serviteur suivant ses commandements. Peut-être que vous n'avez pas encore pris cette décision aujourd'hui de le faire votre Seigneur. Peut-être que vous ne le servez pas vraiment et vous servez vous-même. Il est l'heure de se repentir. En psaume 119, verset 76, c'est écrit, « Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. » Lorsque vous cherchez du réconfort, priez-vous de la même façon? Priez-vous pour recevoir des bénédictions? Ou est-ce que vous voulez juste avoir ce qu'il dit dans sa parole, selon sa parole? Le Saint-Esprit peut vous conforter. Psaume 119, 107 dit, « Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. » Voulez-vous avoir une solution rapide sans repentance ou la solution de Dieu? Même si vous êtes bien humilié ou si vous avez des tribulations, vous voulez avoir la solution de Dieu. Psaume 119, verset 116, « Soutiens-moi selon ta promesse, je vivrai que je n'éprouve pas de honte pour avoir espéré en toi. » Voulez-vous qu'il vous soutienne lorsque votre espérance n'est pas dans le Seigneur? J'espère que votre espérance est dans ce fait qu'il est le Seigneur de votre vie. Ou est-ce que votre espérance est en d'autres choses? Assurez-vous qu'il est vraiment le Seigneur de votre vie. Psaume 119, verset 154, « Défends ma cause et rachète-moi, rends-moi la vie selon ta promesse. » Comment peut-il plaider votre cause si vous n'avez pas pardonné aux autres?
Assurez-vous que votre cause est entendue par Dieu parce que vous avez plaidé la cause d'autres personnes. En Psaume 119, verset 169, c'est écrit « Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. » Nous savons que selon Ésaïe 59, verset 2, c'est le péché qui empêche Dieu d'entendre nos prières. Donc, si vous voulez comprendre, si vous cherchez la compréhension, ou si vous voulez comprendre la raison pour laquelle il n'a pas entendu votre voix auparavant, je crois que Dieu va vous entendre. Assurez-vous que vous voulez avoir vraiment cette compréhension de la raison et non une bonne solution. En Psaume 119, 170, c'est écrit « Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel, donne-moi l'intelligence selon ta promesse. » Il y a beaucoup de conditions aux bénédictions de Dieu, et quand vous priez comme ça, et si vous dites « Dieu, me bénis seulement selon ta promesse, selon ta parole. » Cela montre que vous êtes sérieux. Il n'y a pas de raccourci vers la sainteté. Regardez ce psaume et méditez-y et demandez-vous si vous lui faites vraiment confiance, comme le raconte le psaumiste ou celui qui a écrit le psaume. Si vous lui faites confiance, alors vous comptez uniquement sur lui et vous êtes impuissant sans lui. Réalisez-vous qu'il peut faire l'exception à la règle dans sa parole. Mais il y a beaucoup de conditions aux promesses, pour les promesses de Dieu. S'il veut, il peut faire l'exception. Et s'il le fait, c'est parce qu'il le fait. Donc, si c'est le cas, c'est parce qu'il le fait et non parce que vous voulez qu'il le fasse, cette exception. Mais il le fait de son cœur. Il le fait parce qu'il veut que vous appreniez et que vous compreniez les choses profondes de Dieu encore plus. Ça, c'est la foi en lui. La foi qui n'est pas en Dieu n'est pas la foi du tout. Ça, c'est de la présomption. Parce que cela suppose que vous pouvez faire quelque chose sans Dieu et cela vous met sur le chemin spacieux qui mène à la perdition. Vous ne pouvez pas recevoir les choses de Dieu sans foi. C'est pourquoi nous avons reçu la mesure de la foi au début. Seule la foi dans la parole vivante donne vie. La bonne nouvelle est qu'il veut et qu'il peut être votre Seigneur. Paul a dit ainsi en Hébreux 11, verset 1, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous avez seulement accepter Jésus en tant que sauveur, je ne crois pas que ça c'est une assurance, une garantie. Je ne pense pas que vous pouvez baser vos espérances pour entrer dans le royaume de Dieu sur ceci. Vous ne pouvez pas recevoir les choses de Dieu sans la foi. C'est pour ceci qu'on nous a donné cette mesure de foi au début. Je pense que seulement la foi dans la parole vivante mène à la vie. Dieu, il est Seigneur et il faut que vous soyez humble et la bonne nouvelle est qu'il veut et qu'il peut être votre Seigneur. Paul a dit que la foi est l'assurance de quelque chose que vous espérez. Donc, on lit encore en Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Votre espérance se trouve en quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que vous espérez? Il faut être clair sur ce que dit la parole. En Matthieu 7, verset 21, c'est écrit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. »
Votre foi doit avoir une assurance. Si vous voulez être sûr que vous allez entrer dans le royaume des cieux, ne le faites pas seulement votre sauveur, mais aussi votre Seigneur. Abandonnez tout. Donnez-lui tout. Arrêtez de raisonner. S'il est seulement votre sauveur, comment est-ce que vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu si vous continuez à faire votre propre volonté? Paul a dit ainsi en Philippiens 2:12. Mes chers amis, vous avez toujours été obéissants. Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. En fait, dans d'autres versions bibliques, ça dit « mettez en œuvre votre salut ». Jésus est notre exemple d'humilité et il n'a jamais fait quelque chose sans avoir entendu son Père. Jean 5, verset 30. Vous pouvez faire la même chose. Mettez votre confiance, votre foi en Dieu et comprenez qu'il transmet sa volonté parfaite pour chacun de ses enfants dans chaque minute. Et en Jean 5, 30, Jésus a dit, « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Vous avez reçu le don de la mesure de la foi. Vous avez reçu la mesure de la foi. Donc, il faut que vous dirigez cette mesure maintenant ou que vous mettez cette mesure de foi en lui. Il faut que vous, en lui en tant que votre Seigneur, il faut que vous sachiez que vous ne pouvez rien faire sans lui. La première chose quand chrétien né de nouveau doit savoir, c'est comment être dans sa présence. Si vous voulez entendre Dieu et apprendre à le connaître et à suivre Jésus, je peux recommander ce livre, Mes brebis entendent ma voix, de Joseph Hedgecock. Donc, si ça, c'est vraiment votre désir d'avoir cette communion, cette intimité avec Dieu, ce livre est très, très bien pour ceci. Et il existe en français. Et peut-être vous avez entendu ce message et vous savez, oui, j'ai cette mesure de la foi, mais quelque chose a contaminé ma foi et peut-être quelque chose dans ce message a touché votre cœur et vous avez réalisé que vous n'êtes pas vraiment accroché à Christ et vous comprenez que votre foi n'a jamais été proprement mise en lui. Retournez et refaites vos premières œuvres et n'ayez pas peur de faire ceci. Mais si vous savez que votre foi est impure, peut-être à cause de l'orgueil ou de la fierté, et maintenant votre foi ne fonctionne pas proprement et elle n'est pas soumise au Seigneur et vous n'êtes pas soumis à lui, mais vous demandez tout ce dont vous pensez dont vous avez besoin, au lieu d'attendre et entendre sa parole avant de faire quelque chose comme Jésus l'a fait. Et maintenant, il faut retourner et vous assurer que vous purifiez votre foi. Et une des façons dont vous pouvez faire ça, c'est que vous pouvez lire le livre Light ou Lumière par Joseph Hedgecock. Et dans le chapitre 9, il décrit la foi et comment elle fonctionne. Il décrit ces obstacles à la foi, pour la foi. Et je recommande fortement ce livre Lumière ou Light de Joseph Hedgecock. Ce n'existe pas encore en français, mais quelqu'un est en train de le traduire. Donc, je prie d'abord pour chaque personne qui écoute. Père, je sais que tu as utilisé ces versets bibliques et ce message aujourd'hui pour aider chaque personne qui a la mesure de la foi, pour les aider à voir comment Satan les a empêchés de vraiment croire au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont mis leur foi dans le Sauveur, mais ils ne se sont pas vraiment accrochés à lui en tant que Seigneur. Mais dans un acte d'humiliation, s'ils s'humilient, ils peuvent faire un nouveau départ. Et ils peuvent reconnaître qu'ils ont permis à ce que leur foi soit contaminée. Pas en
en ouvrant une porte à la fierté. Et Père, je prie qu'ils retournent et qu'ils vont, encore reprendre cette mesure de la foi et qu'ils vont la relâcher en toi et qu'ils vont comprendre que Jésus est vraiment cette pierre angulaire dans leur vie spirituelle. Et je prie ces choses au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté aujourd'hui. J'espère que ce message a vraiment vous aidé aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Désirez-vous connaître votre Père céleste et Jésus-Christ plus intimement? Aimeriez-vous que Dieu dirige chaque détail de votre vie? Si oui, ce livre est pour vous. Il vous donnera des instructions très claires et faciles à comprendre, comment vous pouvez vous préparer pour une marche heureuse avec Jésus-Christ. Ce livre écrit par Joseph Hedgecock a été écrit par l'expérience qui a été vécue et non seulement de la théorie. Si vous êtes intéressé à ce livre ou d'autres ressources dans d'autres langues, visitez www.solm.org.